voisine, elle a des problèmes avec ses tuyaux et elle voudrait que tu lui démontes le boulon. Tu parles de la voisine ou du voisin? Parce que s'il faut démonter le boulon, je crois que c'est le voisin qui l'a. Mais je ne sais pas si c'est un bout qui est long ou l'inverse. Ah, franchement, là, je Un ne sais pas long bout. vraiment. Elle m'a demandé, et bon, elle m'a Elle t'a demandé. demandé ça à toi? Oui. Elle m'a demandé de te demander si tu pouvais. Lui démonter son boulon? Voilà. Bizarre. Très bizarre, surtout qu'elle marie à la maison. Alors elle pourrait le faire. Mais elle m'a dit de venir tout à l'heure. Ah oui. Que tu viennes tout à l'heure pour lui arranger. Après 23 heures. Ah non, non, dans 15 heures. Ok. Je... Oui. Parce que ces canalisations sont l'après-midi, hein. Tu sais, tu les. La canalisation bouchée. Voilà. D'accord. Alors, parce qu'elle ne peut plus faire sa vaisselle. Alors tu peux lui enlever. Après, je me dis de pas quand même péter sa vaisselle avec ça. T'es en train de me dire en gros qu'elle pisse sur les assiettes. Non, je ne pas sur les assiettes, elle peut plus sortir l'eau, les canalisations sont complètement bouchées, il faut en enlever un. Et elle, avec ses petites mains fragiles, elle peut pas. Comment tu sais qu'elles sont fragiles? Tu viens après ton boulot? Oh, mais non, mais quelle idée! Ouf, voyons. Qu'est-ce qu'il va imaginer? Mais en tout cas, elle veut que tu ailles chez elle pour l'aider. Voilà. Faut l'aider. Oui, cette fois, elle a vraiment besoin de Il y en a toi. quelques que j'ai eu chez moi. Peut-être d'en face. Hein. Oh? Oui. C'est Alors, marrant on ça, va moi je la pensais à voir. une autre. On va la voir et on lui parle. Qu'est-ce que tu comptes lui dire? Rien, j'y vais pas. Si on va y aller, elle m'a dit. Bah, Elle va nous offrir du vin encore. je suis pas plombier. Alors, en fait, elle t'a offert du vin. Ah bah, c'est bien gentil ça, je vais rien assurer. Elle t'a offert du vin, c'est quand même du voleur, je le sais bien. Elle a été cambriolée. Donc, je pense bien que quand même, cette fois, on peut bien lui rendre un autre service. Oui, mais son mari, il risque de me rendre un service, tu vas voir. Non, non, Bah, on savait que son mari, c'était vraiment pas un mec sympa. Bon, on le sait. pourquoi c'est, moi je le trouve sympa. Ce qu'il veut pas, c'est être cocu. Comme tout le monde, mais bon, toi t'as une opportunité, tu peux l'être. Cocu? Non, pas cocu. Le faire Non. cocu? Oui, voilà. C'est fait. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Ah, bah comme tout le monde, Non, pas comment ça s'est fait. Comment, voilà. y a rien à Hein? raconter. Non, mais. En tout cas, elle m'a dit, tout à l'heure, je la rencontre, elle me dit, est-ce que vous pouvez bien demander à votre grand-père s'il peut venir tout à l'heure pour ma canalisation, parce que j'ai la cuisine qui est bouchée par rapport à l'eau. Est-ce qu'il peut venir me démonter le boulon? J'ai démonté le boulon. C'est marrant ça. Attends, tu vois si j'ai pas un bon cours. Peut-être elle aime bien les longues. Les longues pour enlever les boulons. Je vais regarder le boulon de votre mari, voir s'il est Mais mieux. non, mais je Oh. pense pas qu'elle demande l'avis de quelqu'un là. Non. Elle demande de venir, peut-être c'est pour prendre l'apéritif et de. Ouais, bah, je prends l'apéritif qu'on se remarie. Non. Là, t'auras du mal parce qu'elle l'a viré. Ben oui, je sais ça. Ah bon? Oui. Bizarre, elle m'a pas dit ça. Son mari, ça fait 2 ans qu'il est parti. Ah oui, Ouais, c'est rien en plus, c'est rien. alors c'est qui le mec avec? Ah oui, c'est un autre mec. Elle a pas d'enfant. Enfin, j'ai Si, pas. si, elle a une petite fille, Esther. Mais voilà, tu dis à la fille. Bonjour, tu dis à la maman, bonjour, tu t'assois, tu leur dis où est le problème du boulon et tu vas réparer le tuyau. Ben c'est fait, je m'en suis déjà occupé. Un petit effet divers. Non, il y a Va la voir, bonjour madame, comment allez-vous? Elle est pas là aujourd'hui. Ah si, elle est là, elle est toute là, elle m'a dit ça, elle est tout le temps là pour toi. Non, c'est gentil ça.
Mais elle n'est pas sans intérêt. Elle n'est pas là le week-end. Elle est pas, t'es sûr que c'est elle qui n'est pas là ou c'est toi? Non, elle est là. Sérieux, tu l'as vu? Et je l'ai rencontrée dans la rue. Ouais. On rentre en même temps. Il y a une voiture qu'on a traversée qui a failli l'écraser. Il lui fait, eh, connasse, elle peut pas faire attention. T'as vu? Comment il l'a reconnu? Je sais. Mais pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que la nana s'est fait insulter et c'est là que j'ai intervenu. Je lui ai dit, mais c'est vraiment des cons les gens. Vous avez pas laissé chez vous un boulon? Ah bah voilà pourquoi elle m'a dit qu'il était vieux son boulon. Ah bah ouais, mais c'est bien, il est encore plus vieux. Ça tombe pas, hein. Non, ça tombe pas rond là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Alors, de quel boulon qu'elle m'a parlé? Peut-être du tien. Ah non, mais je peux pas, moi je suis fidèle. Je peux pas. Bah à qui t'es fidèle? À la veuve poignée? Ah, qu'est-ce qu'on se marre bien. Non mais sérieusement, alors je lui ai dit que tu as l'idée, essaye de faire ça au moins, parce que sinon on va te détester. Bah oui, ça c'est certain. Ça je m'en doute, on me l'a déjà dit là un peu, mais au moins rends-lui service, je sais que tu l'as. Ouais, mais t'as déjà offert une bouteille de vin, tu peux bien lui rendre un service. C'est gentil. Ouais, on verra. Tu vas pas lui dire merci, après va te faire de connasse. Hein? La dernière fois, elle t'a offert. Mais j'ai rien à lui dire, j'ai pas à lui dire. Elle me demande de demander si tu peux venir lui rendre ce service, c'est tout. C'est rien. Là, tu dois. Il est sympa son copain. Bon, ce qu'on va faire. On va aller voir le boulon. Voilà, on va aller voir madame et on va aller chercher les outils. Viens. C'est ça, continue. Je prépare les outils, non, et on y va. T'imagines, tu as tapé bonjour madame, on vient pour voir si le, votre boulon. On verra bien, de toute façon. Tu veux lui faire faire la vidange aussi? Mais, la vidange, mais c'est prévu. Hein. Le tuyau. Bon, alors je te prépare les outils et on y va. Tu sais, quand t'as dit que le cambrioleur c'était son mari? C'est pas son mari, ils sont pas mariés. Ah, c'était, c'est toi qui avais dit que c'était son mari? Oui, celui qui était avec elle, ils ne sont pas mariés. Alors, c'est lui qui a fait le cambriolage, je veux dire. Oui, c'est son copain. Oui, maintenant, il a pris 200 ans de prison. Où t'as eu le prison? Et lundi, ils l'ont emballé, enfin, avec toi. Parce que toi, t'as fait une belle chute des escaliers, hein. Je t'assure que quand t'étais tombé, on aurait dit que tu volais. Hein. Tellement que tu glissais. Je volais pas, je planais. Ah, ben voilà, t'as plané, et après, t'as plané pendant 2 mois à l'hôpital. 2 mois à l'hôpital? Et moi, j'ai pas l'impression de le revoir l'autre, hein, parce que... Tu dis avec 2 ans, de prison, non, mais il a pas fait que des... il a pas fait que ça. Mais on est pas aux États-Unis, ici. Non, mais il a fait pire. Bon, moi, j'allais regarder... on va profiter pour les... Ouais. Comme on dit, des fois, pour s'amuser, j'ai échangé l'eau des olives. Ouais, c'est ça. Ah, il pouvait pas venir le bouffer, l'autre. Pépé, ouais. Si je viens jamais, qui c'est qui vient nous rendre visite? Un petit blanc? Non, un souvenir. Un souvenir... Je vois pas. Ah si, on connaît.